Depuis la préhistoire à Blanzy, comme partout dans le monde, l'être humain a bien évolué. Comme en témoignent les trouvailles de silex taillé, les hommes ont occupé les hautes terrasses de la Bourbince. Ils campaient au-dessus des cours d'eau pour guetter le passage des animaux. L'homme de Cro-Magnon a vécu à proximité de l'actuelle usine Michelin. À cette époque, le climat était rigoureux et les animaux sauvages très nombreux. Un campement où vécut l'homme de Néandertal a été découvert en 1960 dans le quartier des Ronpois Est, près des Tibourins. Plus tard, un village néolithique, ensuite gaulois, puis des villas gallo-romaines s'installent à mi-pente, l'une d'entre elles donnant naissance au bourg de Blanzy. Blanzy, c'est une commune un peu particulière, avec une histoire tout à fait particulière, mais c'est lié déjà à sa situation. Blanzy, c'est la Bourbince, c'est le passage sur la Bourbince. Après un seul passage où il y a deux côtes qui franchissent la Bourbince, c'est la côte de Savigny, et puis d'autre côté, la côte des Sapins. Si bien qu'il y avait des commerçants, des cafetiers, des bistrotiers, des filles, des gens qui vendaient de la restauration rapide, des aubergistes, etc. Qui fait que Blanzy a toujours été à la fois une commune rurale, mais aussi une commune commerçante. Blanzy a connu donc ces deux noyaux, on va dire, le vieux Blanzy en haut et le bas de Blanzy, le long de la rivière, dédié donc aux moines de Cluny. Alors à Blanzy, il y avait un nombre considérable de seigneuries, on connaît encore les plus importantes, le Plessis, évidemment, qui était en Charolais, alors que la paroisse de Blanzy en elle-même était en Autunois. Vous voyez, encore une frontière très importante. Bourbince encore fait cette frontière entre le Charolais et l'Autunois. Donc Blanzy se situe à une frontière où les dirigeants n'ont pas toujours été de grands amis. C'est en 1511 qu'à Blanzy a commencé l'exploitation minière. Alors des gens, des gens très modestes, qui font un bout de jardin là-bas, parce que c'est un lieu qu'on appelle les communautés, ça s'appelle encore comme ça, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent vraiment à personne et qui sont mises en valeur par les pauvres, qui élèvent une chèvre, un cochon et qui font un bout de jardin, et bien se mettent à gratter le sol en espérant trouver du charbon. Et quand ils en trouvent, bien ils en remplissent des paniers et ils vont vendre ça aux maréchaux qui commencent de forger leur ferraille avec du charbon de terre. Ce qu'ils ne faisaient pas avant, ils faisaient avec du charbon de bois. Donc à partir de 1511, on commence à exploiter, et là oui, c'est très modeste. C'est très modeste. Pourquoi c'est très modeste? Pour la bonne raison que ceux qui connaissent bien Blanzy savent qu'il y a des puits partout, et qu'il suffit de descendre à 2,50 m, 3 mètres, ça dépend des sécheresses évidemment, pour trouver de l'eau. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les premiers mineurs. Quand ils trouvaient un affleurement rocheux, eh bien, ils commençaient de creuser. Et puis, au bout de 2 mètres, l'eau arrivait. 2,50 m, ils en avaient jusqu'aux genoux. Et évidemment, c'était plus difficile d'exploiter le charbon. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remontaient. Et puis, ils creusaient un trou à côté en se disant, comme ça, on va espérer trouver la même veine et continuer d'exploiter notre charbon. Ça marchait ou ça marchait pas, si bien qu'à la fin, on se retrouvait avec des trous, comme il y en a beaucoup à Blanzy, des trous d'eau, des crocs, qui sont en fait la conjonction de plusieurs trous que les mineurs d'autrefois ont fait.
On connaît pas mal ces époques-là, tout simplement parce qu'il y a eu des tas de procès, alors que l'exploitation ne rapportait pas grand-chose, et bien évidemment, tout le monde se disputait pour savoir qui aurait les revenus du charbon. Alors, les seigneurs disaient « Ah, nous, on veut le tiers sans engager de... » Le tiers sans engager de dépenses, évidemment. Et les exploitants disaient « Oh, le tiers, c'est un peu beaucoup, surtout que nous, on est obligés de payer des ouvriers. Hein, » Donc, voilà, ça discutait. Il y avait des procès aussi entre seigneurs, tel seigneur disant « Oh, oh, ça, c'est sur mon territoire. » L'autre disait « Mais non, pas du tout. Hein, » Première révolution industrielle, donc... on va dire, pour nous, 1790, deuxième révolution industrielle, justement dans les années 1835-40, avec les premiers Chagos, et puis seconde révolution industrielle à partir de 1880, où là on va voir évidemment une expansion colossale de l'exploitation minière, avec évidemment des progrès colossaux hein, liés quand même essentiellement au progrès des machines à vapeur. À Blanzy, dans le paysage blanzinois, c'est l'œuvre d'Émilien Gautet, hein, qui s'est rendu compte que le développement des routes serait capital pour l'économie, hein, pour des pays quand même assez enclavés. Et évidemment, c'est Émilien Gautet qui a été le grand ingénieur, on l'appelle l'ingénieur des Lumières. Toutes les routes qui passent chez nous ont été faites par ce monsieur. Émilien Gautet, il a écrit beaucoup de choses, il a fait des plans magnifiques, hein, qui a réalisé une œuvre extraordinaire en une dizaine d'années. Hein, on va dire 1784-1794, être capable de creuser un canal d'une centaine de kilomètres de long, avec des quantités d'écluses, avec des rigoles pour l'alimenter, avec des ports, avec une levée toute pavée. Enfin, c'est extraordinaire ce que ce gars-là a fait. Plus tous les ponts, hein, à Blanzy, il y en avait deux. Hein, deux qui passaient sur le canal. Hein, bon, celui-là a disparu. Et puis celui qui passe encore sur la Bourbince, qui est toujours là. Il y en a très peu qui subsistent des ponts d'Émilien Gautet. Donc je pense que ce monsieur devrait avoir une statue ou quelque chose chez nous parce que le développement de notre commune, de notre paroisse puis de notre commune est quand même lié tout à fait à ses travaux. Une autre figure très importante de Blanzy, c'est donc le curé Hébreau. Le curé Hébreau racontait que quand il est arrivé à Blanzy, il y avait encore des gens qui n'avaient pas d'assiette, hein, qui avaient encore des trous dans les tables dans lesquelles ils mangeaient leur soupe. Cette époque, on va dire 1835-1840, jusqu'à 1860, une période extraordinaire hein, où on peut considérer que Blanzy, c'est le Far West. Donc il y avait des gens riches, des gens aisés, et puis une population évidemment très très turbulente, hein, qui se battait, des anarchistes, des révoltés, qui attaquaient les diligences, qui attaquaient les péniches de blé sur le canal, qui attaquaient les perceptions. Hein, on a des exemples comme ça. Évidemment, dans les années 1920, des arrivées de Polonais hein, qui venaient compenser les pertes énormes de la guerre de 14-18, suivies plus tard par des Italiens, par des Espagnols, etc., etc. Donc voilà, la population blanzinoise s'est finalement métissée hein, et finalement c'est une très très bonne chose. Donc le curé Hébreau, ben, c'est un personnage important parce que il a agi sur tous les leviers hein, qui pouvaient permettre l'émancipation et une moindre misère du prolétariat, et bien par les écoles, hein, donc les premières écoles, évidemment, c'est des écoles cléricales, hein, évidemment. Et bien il a fait aussi des activités, on va dire des activités culturelles, hein, du genre le théâtre, la musique, les chorales, les petites fanfares,
la première école construite avec les fonds de la commune, hein, avec un impôt supplémentaire, avec des décisions communales, hein, avec une volonté générale de la population, eh bien, ça a été de construire une école de filles. Hein, c'est l'école, actuellement, la magnifique école Jean Régnier, hein, construite par l'architecte du Lac, hein, qui remonte à 1882-85. Le problème de notre pays, c'est de ne pas connaître et de ne pas vouloir voir ce qu'on est. Quand on voit d'où on vient, on n'a pas à être honteux. Comme tout le territoire français, Blanzy traverse le Moyen-Âge sans être épargné par les brigandages, la famine, la peste et les guerres de religion. La ville entre dans le 19e siècle avec déjà plus de 1500 habitants. Une population constituée principalement de paysans, mineurs ou verriers. En 50 ans, de 1806 à 1856, sa population va plus que doubler. Malgré la dureté de la vie et des conditions de travail, toute cette activité contribue à la croissance du bourg. À l'instigation du curé Bereau, on ouvre des écoles. Blanzy est traversée par la rivière de Bourbins. Contrairement à ce qu'on peut en penser lorsqu'on la traverse de nos jours, elle était jusqu'à la création du canal du Charolais large, capricieuse, presque impraticable. Très tôt, peut-être dès l'époque gallo-romaine, un pont a été construit en parallèle sur la rivière, développant ainsi la circulation et le commerce. D'après les documents et le dessin qu'en a laissé Émile Angoté, ce vieux pont très étroit possédait des accès maçonnés et 6 arches. Il a été démoli en 1793, lors des aménagements du canal. Pour continuer à traverser la Bourbins, un autre pont a été construit. L'eau coule toujours dessous, mais la quantité est bien moindre. Depuis le XVIe siècle, certains géographes avaient l'idée d'un canal reliant la Saône à la Loire. Au XVIIIe siècle, le progrès des frères Lumière et le développement des mines de charbon au Creusot et à Blanzy rendent le projet nécessaire. Le canal du Charolais sera l'œuvre d'un brillant architecte et ingénieur bourguignon, Émile Angoté. De 1783 à 1793, des milliers d'hommes, géomètres, entrepreneurs, ouvriers, soldats vont creuser ce long canal de 112 km et construiront des ponts, des ports et des levées. Appelé désormais Canal du Centre, cette voie d'eau contribuera à l'essor de la région, en permettant d'importer matières premières et équipements, et surtout d'expédier le charbon, les bouteilles, les pavés et les terres de Blanzy. L'arrivée du chemin de fer au Creusot et à Monceau-les-Mines dans les années 1860 fera perdre au canal une partie de son trafic.
très tôt, la nécessité d'installer une brigade de gendarmerie à Blanzy se fit sentir. Les gendarmes les plus proches se trouvaient à Montcenis. Ce n'est que début 1847, par décision ministérielle, qu'une brigade à cheval est créée. Il fut procédé à l'installation de la brigade dans les locaux situés sur la route du canal du Centre, entre Blanzy et Monceau-les-Mines. Fin 1883, la gendarmerie quitte le bâtiment pour s'installer dans les dépendances du château de Savigny. Elle restera dans ces locaux pendant 97 ans. Ensuite, la gendarmerie sera transférée en 1980 dans les locaux rue de la République, pour terminer en 1988. La gendarmerie aura été présente à Blanzy durant 141 années. Le dernier gendarme blanzinois que l'on peut voir se trouve rue Varmancourt. Il surveille, mais ne verbalise pas. Le territoire de Blanzy est situé sur les grès permiens. En se désagrégeant, cette roche forme le cran, couche dure et imperméable qui retient l'eau. Dès le Moyen Âge, en barrant les ruisseaux, les moines et les seigneurs ont créé de nombreux étangs, dont les traces sont visibles partout dans le paysage. Ces étangs étaient des élevages de poissons. On les vidait régulièrement et le poisson pêché était transporté vivant dans de grandes cuves de bois et vendu dans les bourgs voisins. Ils constituaient surtout les réserves d'eau, source d'énergie pour faire tourner les moulins. On comptait au Moyen Âge à Blanzy une bonne dizaine de moulins à eau. Ces moulins ne servaient pas qu'à écraser le grain, mais aussi à scier le bois, battre le fer et fouler les étoffes. Ils étaient aussi des lieux de rencontre et d'échange. Après la Révolution, beaucoup ont disparu. Les autres ont été munis de machines à vapeur. Il y avait aussi dans la commune trois moulins à vent, un à Montchevrier, un à Savigny et le dernier à la Croix des Mâts. Celui que nous pouvons voir encore de nos jours, c'est celui de la Croix des Mâts. Tout notre pays est jusqu'à la Révolution une mosaïque de seigneuries, grandes ou petites, dont le chef-lieu est un château ou un bâtiment plus ou moins fortifié. On en compte une bonne dizaine. La plus importante est la seigneurie ecclésiastique du doyenné de Blanzy, appartenant à l'abbaye de Cluny. Les autres sont le Plessis, le Fragnet, Gers, Ocle, Savigny, Montauloup, La Sorme, Montchambert.
Le document le plus ancien que nous connaissons sur l'exploitation de la houille à Blanzy date de février 1511, où sera trouvée ouaille de charbon appelée louche à la reine. En 1514 apparaissent de nombreux lieux d'extraction, puis en 1524. Ces temps héroïques sont surtout marqués par des procès entre seigneurs possédant la terre, ou entre seigneurs et mineurs pour déterminer la part de chacun dans l'exploitation. Les mines de charbon importent beaucoup de travail. Alors, avec ce besoin de main-d'œuvre, des travailleurs étrangers sont venus pour travailler. Un travail dur et pénible, surtout pour les mineurs de fond. Ce qui est le plus redouté par les mineurs de fond, c'est le coup de grisou. Un gaz, le monoxyde de carbone, se forme dû à l'extraction du charbon. Celui-ci est inodore et provoque de terribles explosions. Cette explosion apporte beaucoup de dégâts, de blessés, et beaucoup de mineurs ont perdu la vie. L'extraction du charbon de fond dans les bassins miniers s'arrête en 1992, pendant que l'extraction de surface continue jusqu'en 2000. Aimable chansonnette, c'est un mineur de fond et pas bête. En venant du Creusot pour aller à Blanzy, en tenant sur ses genoux la plus belle de ses amies. Le long de la levée du canal, sur la route de Montchanin, se dresse un édifice imposant, maçonné en pierre, avec de multiples façades. Un peu ruineux et couvert de lierre. Les anciens l'appellent les fours à chaux. C'est le témoin d'une activité ancienne et importante de la commune. Mais plus personne ne l'a vu fonctionner. Et les jeunes ne savent pas de quoi il s'agit. Les vestiges qui subsistent à Blanzy étaient ceux d'une usine à chaux composée de trois fours, situé au lieu-dit La Plaine. Il n'était pas rare de voir sur près d'un kilomètre des chars tirés par les bœufs attendant leur chargement de chaux. Cette entreprise importante cessa son activité brutalement et définitivement en 1914, lorsque la plupart des ouvriers sont partis à la guerre. Ils furent éteints et la production ne reprit jamais. La verrerie de Blanzy a été fondée en 1806. Cette usine est destinée à la fabrication des bouteilles en verre noir, à l'usage des vins blancs mousseux et de la bière. Plus de 160 ouvriers y travaillaient et livraient au commerce 1,5 million de bouteilles par an. En 1889, le directeur crée la fanfare de la verrerie pour égayer ses ouvriers.
En 1910, la verrerie fabrique et vend toutes sortes de bouteilles, ainsi que de grosses bonbonnes appelées Dame Jeanne. Les fours sont démolis dans les années 1920-25. Entre les deux guerres, on aménage un stade de football, le stade de la verrerie, où s'illustrent les glorieuses équipes de l'Union sportive blanzinoise. Ce stade a été détruit lors de la construction de la route express. Dans le coin droit de la cour de Cluny, au pied des escaliers de l'ancienne chapelle des Sœurs, se dresse la statue du curé Borot. C'est l'occasion de résumer la vie d'un personnage légendaire de notre commune, celui que les anciens blanzinois appellent encore le curé Borot. François Borot fut nommé curé de Blanzy en 1839. En 1854, préoccupé par les situations des enfants maltraités, il créa une colonie agricole pour accueillir des orphelins, l'orphelinat du Méplier. Il mourut au Méplier durant l'été 1893, âgé de 87 ans. Titulaire de nombreuses médailles et diplômes de sauveteur et du prix Montyon de l'Académie française. En 1882, la commune se dote d'une pompe à incendie et fait construire un local pour la déposer. Du fait qu'il existe le matériel nécessaire, à savoir la pompe à incendie avec les accessoires et 250 seaux d'une contenance de 12 litres chacun, le conseil municipal, par délibération du 17 octobre 1897, décide la création d'un corps de sapeurs-pompiers. L'effectif est de 23 hommes. Il sera porté à 28 par arrêté préfectoral du 29 août 1910. En 1968, au fond de l'impasse près de l'école René Picard, les pompiers volontaires construisent des garages pour leurs véhicules et un portique de manœuvre avec des matériaux de récupération. Malgré des menaces de fermeture en 2010 et 2016, la caserne a été maintenue et occupe depuis 1989 les locaux rue de la République, laissés vacants par la gendarmerie. % des pompiers français sont volontaires. Au centre de secours de Blanzy, c'est 100%. Je suis né au 3 rue de la République le 8 août 1929 à 8h du matin. J'habite à l'école, c'était moi le plus près de l'école maintenant qu'on appelle René Picard, c'était l'école des garçons autrefois. Parce qu'avant il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Les garçons, c'était là maintenant l'école Picard, René Picard, ça s'appelait l'école des garçons, et l'école des filles c'était l'école Jean Rénier maintenant. J'étais à l'école avec des sabots jusqu'à l'âge de 11 ans. Les Noëls, le Noël, c'était plus les Noëls de maintenant, vous savez, où que les enfants sont gavés de jouets, de tout. J'avais une pièce de 100 sous en argent, c'était 5 francs, quand on disait 100 sous dans ce moment-là, c'était une pièce de 5 francs en argent avec une orange. Voilà mon Noël. Mes parents, c'était des gens très économes.
qui ne gaspillait pas du tout l'argent. D'ailleurs, s'il avait fait plus faire construire son garage, tout ça, c'est à force d'économie, vous voyez, on vivait petitement, hein, petitement, mais enfin, on vivait bien, quoi, quand même, quoi. Il y avait un petit lac, il y avait un lavoir où les femmes allaient, elles prenaient sa brouette quand elles faisaient ses draps, principalement quand elles faisaient ses draps, elles allaient rincer ses draps dans la rivière. La rivière était propre, dans son lac, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien du tout. Et puis toutes les femmes étaient là, elles emportaient leur petit banc, ils avaient fait un glacis, il y avait un glacis, et ils avaient leur tapette, et ils tapaient sur leur linge. Bon, moi j'y allais avec elles. Quand Pierre Scott, j'étais petit, quoi, évidemment. Les jours jeunes, non, mais là, j'ai pas eu une voiture tout de suite, hein, parce que c'est pas encore pas. Non, sans là, les enfants, ils ont des voitures à 18 ans. À 18 ans, le papa me prêtait sa voiture, quand j'ai connu ma femme, me prêtait quelquefois sa voiture, mais lui, il sortait les dimanches avec sa voiture, moi, j'allais à Montceau à pied, jusqu'à Saint-Vallier à pied. Ah bah oui, j'allais à la fête à Saint-Vallier à pied. Oh, j'ai trouvé long, c'était de dessus de la rue Beaubernard, la rue Beaubernard, vous savez, pour aller là-bas, il y a une partie plate qui est longue. Oh, je voyais la route, mais sans fin, je ne voyais jamais le bout. J'allais et je revenais à pied. D'ailleurs, évidemment, autrefois, les gens, ils allaient travailler à pied aussi. Je me souviens, il y a mon beau-père, là, il me l'expliquait, il habitait à Dompierre-Soussanville. Eh bien, il venait travailler jusqu'à Lucie à pied, de Dompierre-Soussanville à pied tous les jours, et, oh, avec des sabots. Ah ben oui, parce que dans ce moment-là, il y a pas de chaussures, on ne portait pas des bottes, des souliers, c'était des sabots. Mon grand-père était donc charron et puis ma grand-mère était couturière. Alors elle était couturière, mais autrefois, ils allaient coudre, elle cousait pour les riches, parce qu'elle faisait les costumes, elle faisait tout, elle était une couturière de profession, c'était un professionnel, quoi. Alors ils venaient la chercher en voiture à cheval, et puis, puis elle partait des fois une semaine. Ah, quand il fallait qu'elle fasse plusieurs habits, vous comprenez. Alors, elle coupait, mais elle cousait pas en principe. C'était les bonnes qui cousaient, vous savez, parce que c'était cousu à la main, il n'y avait pas de machine à coudre. Alors, il n'y avait pas de machine à coudre, elle n'existait peut-être même pas du temps qu'elle faisait. Tant que mon père a vécu, évidemment, mon papa, c'était hors de question de ce moment-là de partir en vacances. Ah ben, disait, mais je comprends pas, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire en vacances? Ils viennent, ils sont plus fatigués que de travailler. Il ferait bien mieux de travailler que de partir en vacances. C'était ça, les gens, beaucoup d'anciens d'autrefois, surtout en artisan, quoi. Alors, évidemment, je n'avais pas le droit aux vacances. Je travaillais 360 jours sur 365, comme je dis. Depuis que je suis né, mais je ne connais plus rien, même la vie des gens, je ne la reconnais plus. C'est plus tout ça. Même Blanzy, je ne le reconnais plus. Ah ben c'est plus Blanzy, il y a Blanzy, c'est plus Blanzy d'autrefois. Ah ben il n'y a plus rien, c'est incroyable. Ben avant, il n'y avait pas de WC, dans les maisons, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un WC pour tout le monde allait au WC, dans un seau hygiénique, ce qu'on appelle. Puis ils allaient verser après ça, dans un WC qui était un trou qui était creusé en terre, quoi, puis on versait les excréments, quoi, dans le WC. Mais les gens allaient aux toilettes sur un seau hygiénique. Moi, j'en ai toujours là, mais là-dessus, sur un seau hygiénique. On a eu l'eau sous pression après la guerre, mais avant, aucune maison, même le garage, il n'y avait pas d'eau sous pression. On avait tous un puits, d'ailleurs j'ai un puits, là, un très bon puits. Tout le monde avait un puits, on allait tirer son eau au puits. Et il y avait des pompes communales. Il y en avait une là qui était là sur la place, là à côté de moi. Là. C'était pour les gens qui n'avaient pas de puits. Il y en avait une à la verrerie. Il y avait des mains douches. Pour les personnes comme nous qui n'avaient pas, comme moi, j'allais une fois par semaine, j'allais au bain-douche
qui existe, où il y a la, où il y a la, la, enfin, le médecin maintenant, quoi. J'allais prendre une rayon, mais pour les douches, un rayon, ça venait dans la lessiveuse. Il n'y avait pas de salle de bain, ça n'existait pas. Personne n'avait ça. C'est pour ça que dans des logements, les logements vivaient les gens vivaient dans des tout petits logements. On chauffait qu'avec des cheminées, il n'y avait pas de chauffage central. Chauffage central n'existait pas, il n'y avait rien, mais c'est tout monté, par exemple. Ben, vous voyez que la vie d'autrefois, la vie de maintenant, c'est tout à fait différent. Autrefois, les gens, ben, on allait les chasser les autres, quand c'était l'hiver. Quand c'était l'hiver, autrefois, même les anciens, ils allaient veiller, ce qu'ils appelaient faire les veillées. On faisait la veillée, on allait veiller chez l'un, chez l'autre, on allait passer la soirée, quoi. Alors on discutait, on buvait un coup, et puis, ah ben oui, mais c'était bien, ça. Voilà, là, c'était la vie d'autrefois, ça. Et tout ça, c'est tout perdu, c'est fini, c'est terminé. Je vous dis maintenant, c'est personnel, c'est l'égoïsme, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer. Alors, j'ai plus rien de bien. Ce qu'on était trop heureux quand on avait, c'est quand on achetait quelque chose de nouveau. Alors là, c'était la joie. C'est la première fois qu'on a acheté une machine à laver, mon premier frigo, là, qui a 50 ans, on achetait un frigo, on était heureux. On se faisait plaisir comme ça, parce qu'on avait toujours besoin de quelque chose. Alors donc, on se faisait plaisir. Tandis que maintenant, c'est l'abondance. Il n'y a plus de plaisir. L'église de Blanzy, dédiée à Saint Pierre et Saint Paul, est de style néo-gothique. La paroisse de Blanzy est très ancienne et est née de la nécessité d'une église pour baptiser les fidèles, la plus ancienne de la région. Comme l'indique qu'elle est le chef-lieu d'un archiprêtré regroupant une douzaine de paroisses. Le 8 juin 1916, un cyclone détruit le clocher, le porche, la nef. Les dégâts sont considérables. Il faudra attendre 4 ans pour que tout soit réparé en 1920. Aujourd'hui, la nef centrale est encadrée de collatéraux, dont les fenêtres apportent la lumière. Nous pouvons y voir de magnifiques statues de Saint Paul, Saint Pierre, Saint Évêque, Sainte Barbe, ainsi de magnifiques vitraux. Cette église accueille aussi Blanzy en mars. Blanzy en mars en famille a débuté en 2008. À Blanzy, le mois de mars est devenu synonyme de musique et de fête. Comme son nom l'indique, les manifestations s'organisent tout le long du mois de mars. Un programme haut en couleur de musique. Actuel, rock, jazz et disco. Un mois bien chargé où l'on peut se rendre à des expositions, spectacles, concerts. Le public fidèle vient de plus en plus loin pour faire le plein de culture. Les bars et restaurants de la commune prennent aussi toute leur place dans la manifestation.
Laurent, bonjour à tous les spectateurs de ce beau carnaval et bonjour à tous les carnavaleux. Alors Hervé Mazurek, quand on est là sur les hauteurs de Blanzy, on voit la rue Joseph Lambert, noire de monde comme ça, on se sent satisfait? Bon, on est plus que satisfait, on est ravis que le carnaval rencontre le succès mérité à la hauteur de tout le travail des bénévoles du comité des fêtes. Né de l'amitié entre Blanzy et Étaines-lès-Delheim, le carnaval réunit chaque année des associations blanzinoises, allemandes et des groupes invités. Il a lieu à Blanzy toutes les années impaires et est organisé conjointement par le comité de jumelage et le comité des fêtes de Blanzy. Les années paires, c'est Étaines-lès-Delheim qui organise les festivités et accueille les Blanzinois. Dans les années 1970, le personnel du site de Blanzy, constatant la disparition d'objets et d'équipements témoins de l'activité minière, décide de regrouper ce qui peut être conservé. Leur attention se porte alors sur le puits Saint-Claude, fermé depuis 1882. C'est ainsi qu'en 1974, est créé en partenariat avec la ville de Blanzy, la Houillère et l'écomusée, l'association La Mine et les Hommes, chargée d'aménager et gérer le musée. Alors que le musée est en chantier, le musée ouvre ses portes au public en 1978. L'implantation de l'usine Michelin dans les années 70 sur le site de la Fiole à Blanzy n'est pas anodine. En effet, la situation géographique sur l'axe transeuropéen facilite un approvisionnement en matières premières ainsi que la ventilation des produits finis. Suite au déclin de l'activité minière de Monceau-les-Mines, mais aussi sidérurgique sur le Creusot, un potentiel de main-d'œuvre réputé pour ses compétences et son courage pouvait être disponible. L'usine a bénéficié d'un plan de rénovation et de modernisation de ses locaux, offrant aujourd'hui un environnement de travail agréable. Elle demeure un pilier de l'emploi dans le bassin minier.
Le site Michelin de Blanzy comprend deux activités. La fabrication de produits semi-finis qui alimentent en gomme et en tissu des usines françaises et européennes. Et la fabrication de pneus génie civil qui est largement tournée vers l'export. Le site affiche des résultats florissants. 120 000 pneus destinés aux engins de génie civil sortent chaque année des lignes de production. Blanzy, une ville qui a son passé, mais aussi son avenir. Une ville qui bouge. Blanzy a une superficie de près de 40 km², avec une population de 6500 habitants. Située sur l'axe touristique qui relie Cluny à Autun, la ville est desservie par la route express RCEA qui relie Chalon-sur-Saône à Paray-le-Monial. Il est possible de venir à Blanzy en train grâce à son arrêt de gare. Grâce au canal du centre et sa halte nautique, Blanzy est un point d'étape du tourisme fluvial. La gare TGV du Creusot-Montchanin permet de se rendre à Paris en moins d'1h30, à Lyon en 45 minutes. La ville est également arrosée par la Sorme, dont le barrage d'une capacité de 10 millions de mètres cubes alimentant eau potable depuis les années 60. Blanzy a un patrimoine riche en culture et en histoire. Un foyer résidence autonomie au plus proche des personnes âgées. Une crèche, deux écoles maternelles et trois écoles élémentaires. Une école municipale de musique. Des espaces jeunesse, des animations tout au long de l'année. Aujourd'hui, les industries, les secteurs d'activité se sont diversifiés autour d'une agriculture toujours très présente. Et la commune s'équipe, s'aménage, pour offrir à ses habitants un cadre de vie conforme à leur mode de vie et leurs besoins. Blanzy, une ville touristique où il fait bon vivre. Mais comme le disait Vauban, la vraie richesse d'un pays, ce sont ces gens. Notre richesse, celle de notre histoire, c'est d'être une terre de paysans qui s'est ouverte à la diversité des autres. De ces rencontres, de ces mariages, est née la population blanzinoise. Laborieuse, humble, dure au travail, prompt à se dresser contre l'injustice et pour la liberté, sociable, franche et généreuse, sans chichi et à la bonne franquette, nous sommes fiers d'en faire partie et essayons d'être dignes.